If you would be mine, we could be happy. We could be happy. If you wouldn't mind, we could be happy. We could be happy. So how about it? If it's so Donc ça, c'est un principe qui historiquement a été consacré il y a une dizaine ou une quinzaine d'années par le Conseil constitutionnel, qui aujourd'hui trouve à s'appliquer de façon relativement généralisée. Probablement que la méthode passe par la contrepartie de ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire faire en sorte que le temps soit moins contraint. Et probablement la loi le texte sera mieux rédigé. La plume de l'administration, c'est le Conseil d'État. C'est qui va examiner tous les textes, ou pas tous, mais la plupart des textes qui vont être signés par les ministres, par le Premier ministre ou par le Président de la République. Sauf que le Conseil d'État travaille dans les conditions de délai qu'on a évoquées, il faut toujours dans l'urgence, et que donc ce travail qui devrait être fait par cette institution qui est prévue dans le système n'est pas fait probablement suffisamment. Donc plus d'élasticité dans le temps, et le dispositif institutionnel, je pense, existe. Don't take the tangle for my pain. L'exemple le plus caractéristique, c'est ce qu'on a évoqué à la fin du débat, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait que les conséquences qui vont être tirées en termes d'admission au remboursement sont directement dictées par l'avis de transparence, pourquoi a-t-on besoin de réintroduire le ministre dans le circuit de signature, et pourquoi ne pas imaginer que la HAS elle-même aurait directement le pouvoir de tirer les conséquences juridiques de sa propre expertise? C'est l'exemple, je crois, le plus probant et le plus sujet à réflexion. Alors, on peut discuter du bien fondé de l'intervention du politique ou pas, mais c'est un autre sujet. Sur le plan technique, rien ne s'oppose à une solution de simplification de ce genre. Je suis assez proche d'une démarche qui a été consacrée à l'origine par le Conseil d'État, puis inscrite dans les textes, en distinguant entre ce qu'on appelle communément l'acte définitif et puis l'acte préparatoire. Dans l'exemple qui a été donné tout à l'heure, des avis retirés du site de la HAS, si on attend la signature de l'arrêté de remboursement pour mettre en ligne l'avis, au lieu de le mettre en ligne dans les 48 heures qui suivent son adoption, alors que juridiquement cet avis n'a encore aucune existence, on évitera des difficultés comme celles que l'on a évoquées, parce qu'on n'aura plus cette problématique de dire « Ah bah oui, mais je ne me suis pas rendu compte que j'avais un problème par rapport à l'impartialité de l'avis, parce qu'entre-temps, il se sera écoulé 2 mois ou 3 mois avant que le ministre le signe, et ce sont les 3 mois-là qui auront servi à la réflexion. Et aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a urgence à réfléchir à cette hyper transparence. Dans l'exemple qui est donné, les prescripteurs ont eu quand même pendant 2 mois accès à l'avis, qui comporte pas directement des recommandations de prescription, mais des indications suffisamment précises pour que le prescripteur, très probablement, s'y rallie, alors qu'on s'est aperçu ex poste que cet avis était sujet à caution. Donc c'est pas simple.